c'est 2019, aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 2 de la série sur Don't Starve Together, hein, le let's play. On va faire un feu comme il est tard, par contre j'ai pas assez pour faire un feu, donc faites un feu. Et on va attendre un peu, ok? Voilà. Ah mince, non j'attends, je suis bête. Bah oui, c'est pas. Enfin bref, c'est pour l'épisode 2, on va... Vous avez des choses à faire cuire. Oui, j'ai des choses à faire cuire. Voilà. Bien. En fait, je te les ai donnés. Donc, on a fait un Weirly Fan, c'est rigolo, ça fait du vent, voilà. Ah bon, c'est quoi ça? Regarde. Ouais, du vent. Tiens, je te le donne. Ah oh, ouais, si. Bouge pas. Tiens. Par contre, j'ai plus de nourriture, donc faudra qu'on en trouve. Ça marche, ça. Ah, mais non. What? Vous inquiétez pas, c'est des pommes de pin. Ouais, c'est rigolo. Faut qu'on retourne. Je crois qu'on avait dit qu'on partait en bas à droite de la map, comme on n'avait pas exploré par là. C'est ça, hein? Ok, bon, on va partir en bas à droite, même si c'était pas ça. Je m'en fiche. Peut-être qu'il... avant, on va peut-être la nuit. Ouais, c'est bon. Ah, il est fermé, il est bientôt. Moi, je vais enlever un peu de fleurs, parce que pour un peu me régénérer un peu ma... ma vie. Ça sert à faire du vent. Vous l'avez crafté dans quel onglet? Je sais pas. C'est Blackwood qui l'a crafté. Alors, je l'ai trouvé dans Light. Non, n'importe quoi. Dans Survival. Et c'est le dernier. Ah oui, c'est peut-être... Worry fan, you have to run a break. Ah, en fait, c'est pour l'été, ça te donne du vent quand tu cours. Ouais, c'est ça, à mon avis. Mais par contre, range-le comme c'est pas l'été. Mais bon. Ah ouais, là, ça l'use. Bah oui. Est-ce que quelqu'un aurait du combustible? Ouais, un peu, mais là, il y a pas de pain. Ça passe, c'est bientôt le jour, donc on s'en fiche. Ouais. C'est les pommes de pain, ça peut servir comme combustible. Ouais, non, mais mettez-en quand même un peu. Mais non, là, ça, c'est le jour dans 5 minutes, là. Enfin, dans 2 secondes, plutôt. 5 minutes, c'est un peu long, c'est vrai. Regarde, tu vas voir que ça va être parfaitement bon. Voilà, bon, en go. On va essayer de trouver un peu de nourriture parce que moi j'ai faim. Ouais, bah pas la ruche, hein. Les ruches attaquent pas le plus jeune. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu... Ah, attends, il y a des berries, je vais les prendre. Est-ce que par contre, si tu fais... Attendez-moi. Mais oui. Ah si. Attendez, il faudra une pelle. Si on a une machine scientifique, à un moment, il faudra qu'on se fasse une pelle parce que c'est toi, Johnny Pierre, qui m'avait dit qu'il y avait des. Mais non, on avait même dit que si. Il y en a qui se trouvent à la base. Pour 8 ans. Juste les enfants. Enfin, les enfants et les parents. Vous comptez laisser de l'or comme ça? Non. C'est Mathis qui voulait laisser de l'or. On a beaucoup d'or. Enfin, comment je me faisais acheter? Bah si, parce que le silex, ça sert. Oui, Mathis, si t'as cassé, autant ramasser ce que t'as. Ouais, parce que... Ouais, c'est pas... Ce que dit Johnny McNeuf est très intelligent. C'est comme genre oui, voilà. Tu mets des tomates, des par contre, est-ce que je peux piquer son œuf? Oui, enfin. Oui, c'est un... Oh, c'est bien. Merci à tous, j'espère que l'épisode vous aura plu, hein. Pensez au like. Voilà, ça sert à l'art. Voilà, pensez au like, c'est une très bonne idée. Et attendez, je les rejoins et on va couper la vidéo. Et les abonnements aussi, ça fait mieux. Ah, bah les abonnements, c'est...
Même pas besoin de le dire normalement. C'est, en plus c'est gratuit, faites-le, ça fait vachement plaisir. Ouais, allez, salut à tous.